toute la semaine, c'est Willy Barois, le chef du B à Belleville qui nous accueille. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Willy, tu es parti sur un amuse-bouche, tomate, un siphon mozzarella. C'est ça. Et tu vas accompagner ça d'une un sorbet, une glace, je sais pas. Sorbet roquette. D'accord. Voilà. Donc on est vraiment sur une recette de saison, voilà, fin d'été. C'est ça. On commence par quoi? Alors là, on a de la pâte philo. D'accord. Donc ça va nous servir de base. De base de la pâte. Pour la tartelette. Donc on prend du beurre fondu. D'accord. On badigeonne notre pâte philo. Oui. T'es parti sur de la pâte philo quoi pour gagner en légèreté parce que la pâte feuilletée c'était un peu riche. C'est un peu épais puis un peu riche, oui. Et tes petites. Après, une fois que tu les as fait, que les as cuites, tu peux les conserver de toute façon. Hein. Oui, oui. Alors après, ça ne se conserve pas trop longtemps. Hein. C'est 2 jours max. D'accord. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les amuse-bouches, on peut les préparer le matin pour le soir. Oui. Donc là, tu replies. Je replie 3 fois. D'accord. Et à chaque fois, tu remets. Je remets du un petit peu de beurre. Pour bien que ça colle en fin de compte. Oui, puis ça va permettre en plus d'avoir une jolie coloration. C'est ça. Après, on prend l'emporte-pièce. D'accord. Ah oui, tu vas emporte-piécer tout de suite à la bonne dimension. Et après, on fonce. Donc, tu positionnes et après, tu remets dessus. Ouais, ça va lui permettre de tout de suite avoir la bonne forme. C'est ça. Et après, on met au four. D'accord. Là, en termes de goût, on va retrouver quoi? On est dans l'esprit quoi, tatin, pizza, en termes de goût de la pâte philo avec le beurre. Alors, ça va faire pizza, mais pas comme une vraie pizza, en fin de compte. On va avoir les éléments de la pizza, mais ça va... la pâte philo fait pas le goût du pain, en fin de compte. Oui, c'est ça. Donc, on les met sur notre plaque. Et donc, on va enfourner à combien, pendant combien de temps? 180 degrés pendant 5 à 6 minutes. Ça marche. Donc, t'enfournes et ça nous permet de faire dans la foulée, on va faire quoi? Le siphon mozza ou on fait le petit tartare de tomate? On va faire le siphon mozza qui refroidisse un peu. Ça marche. Et après, on... Ok. Alors, donc pour notre siphon mozza, en quantité? Eh ben, on va mettre environ 150 g, 200 g de mozzarella pour 400 g de crème. Okay. Ça marche. Donc on le met. Et puis l'idée, c'est de faire fondre le fromage. Je mets tout? Oui. Et donc ça, c'est pareil, le siphon, ça a besoin de... De repos après. D'accord. Donc on le fait avant. Avant. Et là, on va tout simplement laisser fondre le fromage. C'est ça, tout doucement. Faire attention que ça ne brûle pas. D'accord. Et on va s'occuper des tomates en même temps. Ça marche. Donc là, tu vas les couper... On va faire une toute petite brunoise, d'accord, pour que ça cuise très vite. Ah oui, et tu vas les cuire derrière. Alors, tu retires quand même la peau. Oui. Hein. Bon, c'est plus agréable en bouche. Oui, c'est vrai. Bon, après, toi, tu utilises cette technique-là. Ce qu'on peut aussi faire, c'est tout simplement les... Les monder, oui. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'utilise celle-là parce que comme elles sont bien mûres... Et ça vient tout seul, en fait. Ça vient tout seul et... Bah, c'est vrai que là, c'est assez facile. Donc là, on va terminer de couper les tomates en brunoise. Après, on les fait revenir donc très rapidement. Oui, avec un peu d'huile d'olive, j'imagine. C'est ça, et un tout petit peu de graines de fenouil. D'accord. Et c'est tout. On assaisonnera. Oui. Ensuite, on mettra notre mozza crème en siphon. C'est ça. Et après, on n'a plus qu'à dresser, hein, et à goûter. C'est top, on a vraiment le côté tomate avec les petits grains de fenouil. Ouais, de fenouil qui sont vraiment là pour apporter du boost. Et puis le sorbet roquette qui se marie très très bien. Tout fonctionne. Et puis tu as le côté siphon avec la mozza crème qui apporte de la douceur. Non, c'est top. C'est top, c'est frais, c'est bon.
Et puis voilà, on utilise les derniers produits. Les dernières tomates. Voilà, les dernières tomates de cette fin d'été. Oh, belle amuse-bouche. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fait des girolles avec un œuf parfait, émulsion d'ail.